Ça ne marche pas du tout ? Non, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui n'est pas allumé. Il doit y avoir quelque part. Les micros ne sont pas ouverts, non ? Les hommes là. Quelque chose ? Ah, démarre. Cher Raphaël, c'est un plaisir aujourd'hui d'accueillir Raphaël Boutzmann pour nous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est notre planète. Notre planète qui souffre, on a essayé d'adapter, de prendre des mesures pour le sauver. Et je dois dire que cette conférence, Raphaël, coïncide avec un grand débat au Parlement européen sur des questions d'écologie. Pour réduire des déchets, pour faire que notre planète soit beaucoup plus agréable et que toutes les générations futures puissent vivre. Alors, il y a plusieurs débats, mais peut-être tu en feras référence notamment, sur un sujet que moi, quand j'étais petite au Portugal, on réparait nos chaussures, les machines à laver, les téléphones portables, ça n'existait pas encore, donc on ne pouvait pas le faire. Mais on réparait les habits de maman, était après, avec le couturier à la maison pour refaire pour les petites filles, de papa pour les garçons. Et aujourd'hui, il y a un débat dans le Parlement européen pour qu'on puisse trouver, et d'ailleurs je salue la commissaire européenne, l'exécutif européen qui est ici et qui ont beaucoup de responsabilités aussi dans la législation européenne. Madame Elise Frel, qui est ici, que je salue, et Joseph Frel, professeur d'économie, et aussi qui s'occupe aussi des questions, évidemment, quand l'économie et l'écologie, elles vont main dans la main. Et donc, il y a ce débat pour savoir comment on peut réparer des machines en trouvant des solutions. Donc, par exemple, vous avez une machine qui ne marche pas, vous allez la laisser dans un endroit et vous devez trouver on vous prête une que vous gardez à la maison jusqu'à que vous pouvez la reprendre. Il y a d'autres mesures, d'autres législations, qui est notamment la question qui va aussi être prise, qui est la question de réduire les déchets et notamment l'utilisation des sacs en plastique, même ces sacs en plastique très fins qu'aujourd'hui on a mis dans les supermarchés pour mettre les légumes, mais même ça, c'est toxique pour la planète et il faut en finir. Alors, je ne donnerai pas beaucoup d'autres exemples. Donc, au niveau de l'Europe, on a l'impression que les choses avancent. Au niveau des gouvernements, on a l'impression que les choses freinent. Et la transition écologique, selon moi, elle doit être juste. Quand elle n'est pas juste, elle n'avance pas. Et je crois que ça, c'est un des problèmes que l'Europe doit résoudre. Parce que quand elle n'a pas
injuste. Et que les gens les plus démunis ont des difficultés, ils sont après pris par des discours populistes. Et il faut trouver des solutions pour ça. Évidemment qu'aujourd'hui, les gens ont des difficultés avec la guerre en Ukraine, qui a un impact sur le prix des aliments, sur aussi les combustibles. Et donc, il faut aujourd'hui trouver des solutions pour aider ces gens-là. Et nous avons des élections, cher Raphaël, bientôt, hein, c'est en juin, hein, c'est demain. Donc il faut absolument trouver des solutions. Alors je ne vais pas parler beaucoup plus, je voulais surtout aussi commencer pour remercier l'ERAP, l'école d'avocats qui nous a accueillis et qui nous accueille toujours avec bras ouverts, et sa présidente. Je voulais aussi remercier les gens qui font les conférences, Annette, Jean-Claude, Thierry, Jack Anning, qui travaillent pour organiser des conférences. On a fait une dernièrement avec les écoles politiques sur le autoritarisme est-il inévitable. Maintenant, je pourrais dire, est-ce qu'en planète, où nous puissions vivre, est-il faisable? Voilà, je passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe de la MESA qui m'accueille, qui m'invite. Et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je vais faire un propos liminaire assez bref pour pouvoir laisser plus de temps à l'échange. Parce que tu as dit, est-ce qu'on peut éviter l'autoritarisme? Ça commence par avoir une forme de culture du dialogue. Parce qu'il y a beaucoup de gens de gauche, hein, quand même, qui expliquent qu'ils sont pour la démocratie, mais qui préfèrent parler 5 heures sans interruption et n'hésitent vraiment à faire des questions. Donc on va essayer d'être conforme à ce qu'on prône et parler brièvement pour juste susciter le débat et le dialogue. Et avant que tu commences, je voulais juste dire que ce débat est online. Et je voulais aussi remercier les dernières nouvelles d'Alsace. Comment faire un reportage photographique dans 2 jours sur notre conférence, et je pense que c'était important de vous dire, merci aussi à la presse, que j'avais oublié. C'est toujours important de remercier la presse. Absolument. Ouais. J'ai intérêt à remercier la presse. Tu as raison, notre rencontre, elle est à un moment important, parce qu'il y a un débat en plénière, plusieurs débats, d'ailleurs plusieurs votes, qui touche à l'écologie et qui touche à la concrétisation de ce qu'on a appelé le Green Deal, le pacte vert européen, mais aussi important parce qu'on est dans un moment de bascule, à la fois politique et de bascule dans la perception de l'écologie partout en Europe. Tu parlais de mouvements populistes qui décident de faire du pacte vert européen leur cible principale, mais aussi un moment de bascule dans l'histoire européenne. Et là, il n'y a pas de mot assez emphatique pour décrire le moment qu'on est en train de vivre. C'est un moment où, en gros, il faut que l'Europe décide si elle est ou si elle n'est pas. Et c'est une question qui se pose à chacun et chacune d'entre nous, en fait. C'est la question que, d'ailleurs, le président ukrainien Zelensky a posée, la question de Hamlet, « to be or not to be », lorsqu'il était... au tout début de la guerre, invité en visio par le Parlement britannique, il a dit « to be or not to be », la question, la vieille question shakespearienne se pose à nous, Ukrainiens, se posait à nous, Ukrainiens, le 24 février 2022, et nous avons répondu « oui, nous voulons être ». Maintenant, la question, dit Zelensky, s'adresse à vous, Européens. Est-ce que vous voulez être? Et cette question-là, nous, on n'y a toujours pas franchement répondu. Et donc c'est le moment de la réponse, c'est le moment de la réponse, est-ce qu'on veut être un acteur global, européen? Est-ce qu'on veut être une puissance politique européenne? Est-ce qu'on veut exister dans le monde en tant qu'européen? Ou est-ce qu'on veut se contenter d'un rôle de spectateur des affaires du monde? Ben là on est en plein dedans en ce moment, puisque l'Europe en réalité a un rôle de spectatrice de ce qui se passe à Gaza au moment où on se parle et de ce qui se passe en Israël. Et donc, on a une question qui est une question fondamentale et qui n'est pas encore très,
très clairement posée ou à laquelle on n'a pas encore apporté de réponse très forte. Et pourquoi, moi je lis les deux, la question de l'existence même de l'Europe à la question, tu disais, de la planète, mais à la question de l'écologie en général, c'est que je suis convaincu que l'Europe, pour être, pour exister, eh bien, elle doit devenir une puissance écologique. Elle doit devenir une puissance écologique et elle trouvera dans la transition énergétique et dans la transformation écologique le sens même, sa raison d'être, si vous voulez. Et c'est à la fois son horizon de déploiement, cette transition, cette transformation qui est une transformation globale à la fois de nos modes de vie, de nos modes de consommation, de nos modes de production, de notre rapport au monde, et son horizon et son instrument, son moyen. Parce qu'en réalité, si on veut une Europe souveraine, eh bien, la transition énergétique est la condition de possibilité de l'affirmation de l'autonomie stratégique européenne. Et donc les deux sont intimement liés, la question de l'avenir de l'Europe et la question écologique. On a placé ce mandat, ces dernières années, sous le signe du pacte vert. Le pacte vert européen, c'est un ensemble de normes, en réalité, qui sont essentielles, mais qui sont aujourd'hui des normes. Et c'est tout le problème de la politique écologique européenne, c'est qu'en fait, on a des normes qui sont, moi je pense, alors on peut en débattre, mais qui sont extrêmement importantes, et que les mouvements conservateurs et les mouvements populistes veulent défaire, veulent prendre pour cible, et ça va être un des grands enjeux, parce que tu le mentionnais, des élections du 9 juin, n'oublie pas, c'est le 9 juin, le 9 juin 2024, ça va être un immense débat sur ce pacte vert, mais ce pacte vert, en tant que tel, il est incomplet. Il suffit, pour se rendre compte, de comparer les politiques européenne sur la question de l'environnement, sur la question de la transition, sur la question des industries de la transition, avec par exemple la politique qui a été initiée par Joe Biden aux États-Unis qui s'appelle l'Inflation Reduction Act, où il y a un pendant d'investissement dans les industries de transition, où il y a toute une politique industrielle qui est mise en place et qui ne se retrouve pas encore en Europe. Et donc nous, on a posé le cadre normatif sur la pollution, là on va en discuter sur les réparations, sur l'économie circulaire, sur le recyclage, sur la manière dont on peut réduire nos émissions dans le transport par exemple. On a posé le cadre normatif, mais on n'a pas encore les politiques d'investissement qui y vont avec. Et c'est ça le problème de l'Union européenne au moment où on se parle, c'est que comme ce n'est pas ni une puissance budgétaire, ni une puissance politique au sens strict, on est forcément dans le juridique, le normatif, et on est finalement extrêmement faible face aux offensives populistes. Parce que si on veut que la transition fonctionne, tu l'as dit, il faut qu'elle soit juste. Et si on veut que la transition juste existe, eh bien il va falloir des politiques d'investissement. Ce que nous, on doit porter, ce que nous, on doit montrer, c'est qu'en réalité, la transition écologique, loin d'être finalement une restriction pure de notre puissance, c'est la condition de possibilité d'une affirmation d'une puissance européenne. Que ce n'est pas moins d'usines, mais en réalité plus d'usines. Pas moins de CDI en comparaison à des jobs dans les plateformes, mais plus de CDI protégés. Donc une avancée sociale. Et finalement, c'est la meilleure opportunité qui nous est offerte de redynamiser les zones qui ont été les plus désindustrialisées, les plus martyrisées par les 30-40 dernières années de globalisation dérégulée et de religion du libre-échange. Et donc, il faut qu'on arrive à faire le deuxième pilier de cette politique générale qui est le pilier des investissements et le pilier d'une politique industrielle, d'une politique commerciale qui corresponde aux normes qu'on a érigées. Et je crois que c'est une vraie question existentielle, pas simplement pour la planète, parce que si vous voulez avoir un impact global sur la question climatique, c'est une évidence absolue que vous avez besoin de l'échelle européenne. La France seule n'aura pas d'impact global. Par contre, à l'échelle européenne, quand vous mettez en place des politiques, puisque vous êtes le premier marché du monde,
eh bien, vous avez un impact global. Quand vous voulez vous occuper des chaînes de valeur, par exemple, des multinationales, vous ne pouvez le faire qu'à l'échelle européenne. La France a été précurseur, par exemple, sur un sujet qui est le devoir de vigilance des entreprises, mais la loi française, en tant que telle, ne va pas impressionner des multinationales qui sont devenues plus puissantes que nos États. Par contre, si vous le faites à l'échelle européenne, ce que je me suis évertué avec d'autres à faire pendant ce mandat, eh bien, là, aucune multinationale dans le monde ne peut se passer du marché européen et donc devra obéir aux normes que vous édictez. Et donc, l'échelle européenne, d'emblée, c'est facile à comprendre, est la juste échelle si vous voulez avoir un impact global sur la question climatique, sur la question environnementale. Mais cette capacité à produire des normes, à produire des règles, n'est pas suffisante. Il faut le deuxième versant, qui est le versant de la politique industrielle, qui est le versant de l'investissement. Si vous n'avez pas ce versant-là, eh bien, vous aurez une révolution populiste à travers le continent européen. Et elle a déjà commencé au moment où on se parle. Vous aurez le phénomène argentin qui va se reproduire. Vous aurez le phénomène trumpiste. Quand Trump... Il faut le prendre au sérieux, ce phénomène. Ce que je veux dire, c'est que simplement dire que c'est horrible, oui, on le pense, enfin, probablement la plupart d'entre nous, dans cette salle, a priori, que le nouveau président argentin qui se balade avec une tronçonneuse et qui explique qu'il va découper en morceaux les services publics, on pense que c'est une catastrophe. Mais le jugement moral ne suffira pas. Et la même chose avec le trumpisme. Quand Donald Trump va dans le Michigan et fait un grand discours, où il dit, mais ces 30 dernières années de dérégulation et d'ouverture permanente au commerce international, eh bien, ça a profité à qui ? À vous, qui êtes entouré de ruines industrielles, d'anciennes industries qui ont toutes été délocalisées ailleurs, ou ça a profité à un petit nombre de personnes et au Parti communiste chinois ? Il dit ça. Ben, j'aimerais que nous, qui regardons son discours avec scepticisme et avec hostilité, à juste titre, eh bien, on soit capable de comprendre ce qui parle dans ce discours-là à des ouvriers du Michigan qui ont perdu leur emploi et effectivement, pour le plus grand bénéfice de quelques actionnaires et du Parti communiste chinois. Eh bien, ça, ne pas être capable de comprendre ce qui permet, ce qui nourrit cette dynamique-là, ça nous empêche de lutter efficacement contre. Et donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est non pas acquiescer quand les populistes partent en guerre contre le Green Deal, mais c'est comprendre comment on peut, à partir du Green Deal, répondre aux angoisses sociales qui animent les courants populistes. Aux angoisses, non seulement en termes de perte de pouvoir d'achat, de misère sociale, mais aussi aux angoisses en termes de déclassement, aux angoisses en termes de fatalisme, aux angoisses en termes de « nous ne savons plus produire, nous ne sommes plus maîtres de notre destin ». Le slogan du Brexit « Take back control », c'est le meilleur slogan politique jamais inventé en réalité, puisque c'est l'essence même de la politique « Take back control ». La politique démocratique, c'est de prendre le contrôle sur le destin, c'est de déterminer en commun, collectivement, ce que sera notre avenir et ce que nous devons faire ensemble pour s'assurer un avenir meilleur. Donc quand on dit qu'on est contre le Brexit, évidemment, il faut quand même prendre en compte, là aussi, ce qui fonctionne dans la perspective qui est offerte par les mouvements populistes. Et donc, moi, ce que j'appelle, c'est au sérieux. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'être capable de montrer que c'est l'échelle européenne qui vous permet de take back control. Que si vous voulez vraiment reprendre la maîtrise de votre destin, vous pouvez le faire à l'échelle européenne. Et pour faire cela, pour être capable de ensuite convaincre que c'est vraiment à l'échelle européenne qu'on peut reprendre le contrôle, à la fois sur la question climatique, mais sur la question de l'avenir de la démocratie ou sur la question de notre souveraineté économique, pour le faire, il faut changer certaines politiques. Et il faut doter l'Union de nouveaux moyens et d'objectifs nouveaux aussi. Si l'Union européenne, tu disais, les États sont réticents, si l'Union européenne est aujourd'hui encore un nain politique et a si peu de capacité d'investissement et de budget propre, c'est parce que les États ont refusé de déléguer à l'échelle européenne une souveraineté politique plus grande et une souveraineté budgétaire plus grande. Et que donc, nous, notre combat,
que ce soit sur la planète, sur la démocratie ou sur la question de la souveraineté économique et industrielle, eh bien ça passe par une Europe qui s'affirme comme une puissance autonome, une puissance souveraine, et donc de nouvelles délégations et une part, oui, plus grande de fédéralisme à l'échelle européenne. Et je comprends que ma promesse d'être bref va progressivement résonner comme une promesse vulgaire de politique, et que donc je m'arrête maintenant, mais que j'ai encore plein de choses à dire, et je dirais en répondant à vos questions. Non, c'était une excellente intervention, évidemment. J'ai beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions, mais je vais passer tout de suite la parole à la salle parce que c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que, si vous voulez, vous pouvez parler là où vous êtes, mais vous pouvez aussi venir ici à un micro et l'utiliser pour vos questions. Première question, oui, s'il vous plaît, monsieur. Paul, ça fait place, vous parlez. Oui, oui. Alors vous évoquez, vous évoquez comme un vœu pieux cette Europe unifiée. Allez-y. Alors il y a l'Europe est actuellement divisée avec le groupe de Visegrad notamment, et on a l'impression qu'il n'y a pas une seule Europe. Et que le vœu que vous formulez, il se heurte à cette division culturelle, et que l'Europe, c'est un fantasme, comme, d'une certaine manière, je fais le lien avec Israël-Palestine, Israël pourrait être un fantasme. Et ma question, c'est, alors elle va vous paraître peut-être un petit peu décalée, mais le populisme, il est chez nous aussi, Kant, Klarsfeld, Adoub, Marine Le Pen. Voilà, je m'arrête là. Bon, on va prendre la politique nationale. D'autres questions? Est-ce qu'il y a une autre question? Et reprenons par exemple le problème du glyphosate. Regardez le problème du glyphosate. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau du Conseil du Parlement européen? Rien. On n'a pas de majorité, on n'a rien. Et donc, on recommence maintenant à mettre le glyphosate à l'ordre du jour pendant 10 ans encore. À moins qu'on arrive à des élections qui nous seraient favorables. Oui, la question de glyphosate, c'est une question effectivement qui a divisé les États, mais qui n'ont pas été courageux d'aller contre certains intérêts, notamment de certains pays dont l'agriculture est extrêmement puissante. Mais c'est la fière de répondre, c'est pas moi. Une question tout simple, mais ça rejoint l'histoire du glyphosate. Comment convaincre les gens d'aller aux urnes alors que la semaine dernière, on a appris ça? Hors de question que j'ai envie de voter, je n'ai plus envie de voter, hein. c'est pas possible. On ne se reconnaît plus dans cette Europe, dans la France qui s'abstient, alors qu'il y a eu d'autres discours il y a quelques années de notre président d'ailleurs. Avant de devenir une puissance écologique, l'Europe ne devrait même pas être une puissance tout court, c'est-à-dire en ce moment une puissance militaire. Parce que, effectivement, si on en croit quelques scénarios, Trump pourrait être réélu. Et ça serait, même pour l'Europe, une catastrophe, parce qu'il se désengagerait au démocrate, notamment. Voilà. Et que ferait l'Europe? La fameuse expression, un herbivore dans un monde de carnivores. Donc, on n'est absolument pas outillé. Et il y a aussi un terme, Raphaël Duclin, vous l'avez évoqué, l'Europe, et c'est d'ailleurs le refusoir, est une Europe normative. Et toutes ces normes qu'on impose à l'industrie, ça les empêche également d'être dans une concurrence loyale, on va dire, avec le reste du monde. Voilà. Donc, tout ça, c'est des problèmes de fond structurels que je ne vois pas s'améliorer depuis une dizaine d'années, voire plus. Vous m'autoriserez un peu de longueur dans les réponses, parce que c'était des questions tellement massives. Alors, je ne vais pas les prendre dans l'ordre. Je vais commencer par la question « Pourquoi aller voter ?» Parce que je l'aime. Non, pas que... pourquoi aller voter quand on voit finalement qu'il y a une commission qui décide de prolonger le glyphosate, qu'on voit les structures, même plus largement que cette seule question du glyphosate, à quel point les lobbying sont efficaces, à quel point les choses n'avancent pas, ou les paroles sont méprisées, dédites, on revient sur ses promesses. Pourquoi aller voter?
précisément pour ça. Précisément pour ça, mais moi, donnez-nous une majorité progressiste au Parlement européen et vous verrez qu'on aura cette action décisive sur le glyphosate. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien que les gens qui sont révoltés par la puissance des lobbies ou par l'influence indue exercée par des puissances privées sur les décisions publiques décident du coup de ne pas voter, mais ça ne fera que renforcer le fait que ceux qui sont tout à fait à l'aise avec cette situation, eux auront la majorité. Donc, voilà, je vois comment on a réussi pendant ce mandat, alors même qu'on n'avait pas, pas une majorité au Parlement européen, à faire avancer les choses. D'ailleurs, ce n'est pas grâce à notre génie, hein, soyons très honnêtes, c'est grâce aux crises de l'histoire. C'est ça qui a fait changer de pied certaines politiques commerciales, certaines règles à l'échelle européenne. C'est parce qu'on s'est rendu compte pendant la pandémie qu'on n'était plus capable de produire du glyphosate, du cura, je pensais à la réponse que j'ai donnée ensuite, du cura ou de l'iprane, qu'on a commencé à poser la question de des chaînes de valeur sur la production des médicaments. C'est parce qu'on s'est rendu compte, au bout de quelques semaines de guerre en Ukraine, qu'on manquait de munitions, qu'on a commencé à se dire que c'était peut-être complètement lunaire et fou d'avoir sous-investi à ce point dans les capacités de défense de nos propres cités. Et donc, c'est l'histoire qui a fait qu'on a remis en cause la religion du libre-échange et qu'on a pris à bras-le-corps certains sujets. C'est pas parce qu'on était, nous, très intelligents. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on se heurte à des limites. Moi, je vais vous dire, quand on a le Qatar Gate, et moi, c'est la commission que je préside, la commission spéciale que je préside, qui est en charge de la réforme du Parlement et des pratiques et des règles suite à cela, on a obtenu des avancées, mais on aurait des avancées beaucoup plus grandes si on n'avait pas une majorité conservatrice. Enfin, je veux dire, c'est simple. Donc, à un moment, il faut voter au contraire, précisément parce que c'est dans les institutions qu'il y a l'enjeu ou pas de la puissance des lobbies. Et sur la question particulière du glyphosate, vous savez, un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas d'expertise européenne véritable en réalité. Un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe. Pour moi, dans cette décision-là. Parce que quand vous avez Bayer Monsanto qui fait des études sur la nocivité du glyphosate, évidemment, il trouve de manière miraculeuse que ce n'est pas super nocif. Mais moi, ce que je veux, c'est une expertise publique beaucoup plus puissante et un débat public beaucoup plus fort. Et le problème à l'échelle européenne, c'est qu'en fait, quand il y a le regard du public qui pénètre dans les institutions et dans les débats parlementaires, je le vois. C'est pour ça que tout mon mandat, j'ai essayé de le construire autour de deux genres. D'un côté, les mobilisations sur les réseaux sociaux et dans la société civile, et de l'autre, le débat parlementaire législatif. Pourquoi ? Parce que je vois bien que quand il y a une mobilisation, quand les citoyennes et les citoyens disent « on est là, on vous regarde et on veut que ce sujet-là soit pris au sérieux », ça fait contrepoids par rapport au lobbying des puissances privées. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'au lieu de se détourner de la politique parce qu'il y a des choses frustrantes et scandaleuses, il faut au contraire s'y investir. Parce qu'en fait, le retrait, il est impossible. Et c'est pas du tout contre vous. Et je pense que la question que vous venez de me poser, elle se pose dans les têtes de centaines de milliers, de millions de Françaises et de Français. Mais moi, ce que je réponds toujours, c'est que même dans les milieux écolos, par exemple, il y a cette idée-là qui est très forte, qui est de dire on va changer le monde sans prendre le pouvoir parce que la question politique est sale et donc on se retire. Mais c'est une folie. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment lutter contre l'effondrement climatique, vous avez besoin de majorités politiques, de législateurs, vous avez besoin d'État, vous avez besoin d'agents du fisc, vous avez besoin de policiers, vous avez besoin de ministres, vous avez besoin du pouvoir. Et d'une écologie politique. Et vous avez besoin du pouvoir. Et le but de cette écologie politique doit être d'exercer le pouvoir pour pouvoir transformer la société. Et ça, alors bien sûr, quand on regarde le spectacle de la gauche française, on a l'impression que des fois, ils ont renoncé à cette chose de prendre le pouvoir et d'exercer une transformation de la société. Mais ça doit être l'horizon, en fait, justement, précisément à cause de ce que vous dites. Et sur le glyphosate, là, typiquement, vous avez posé la question, mais là, vous avez donné la réponse dans la question. Il faut une majorité politique. Ça se joue comme ça, c'est les règles démocratiques.
Et moi, quand je pousse pour le devoir de vigilance des entreprises sur la question des droits humains et de l'environnement, eh bien, je sais très bien que pour aboutir à un texte, je dois manier à la fois la culture du compromis, puisqu'il n'y a pas de majorité de gauche au Parlement européen, la culture du compromis et le rapport de force. Mais les deux en même temps. Et plus on a un groupe social-démocrate qui sera fort au Parlement européen, donc si on a le premier groupe du Parlement européen, plus ce sera facile de pousser ce genre de législation. À la fin, ces élections, je sais qu'en France, on veut nous expliquer que l'enjeu, c'est Macron-Le Pen, mais en réalité, à l'échelle européenne, au Parlement européen, l'enjeu, c'est de savoir d'abord qui sera la première force du Parlement européen qui imposera son leadership sur l'agenda politique et législatif. Et ce n'est pas la même chose si c'est le groupe social-démocrate ou si c'est les conservateurs du Parti populaire européen. Ce ne sera pas la même politique qui sera menée. Et donc, avec l'extrême droite. Et Alexandre, après, on verra s'ils font alliance ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, même sans parler de l'extrême droite, sans agiter l'éventail populiste, il y a la question de qui va imposer son leadership sur le prochain mandat. Et donc ça passe par les élections, ça passe par une campagne électorale où tout le monde vote en même temps d'Europe. Et c'est aussi ce que je rappelle à chaque fois, et c'est bien parce qu'on est dans cette maison, même si elle est délocalisée, mais c'est quand même cette maison, c'est quand même la maison. Eh bien, c'est des élections européennes, les élections qui arrivent. Ce ne sont pas des élections présidentielles bis ou pré-présidentielles. Ce sont des élections européennes. Et les Français qui pensent qu'il n'y a qu'une seule élection, les journalistes d'ailleurs, auxquels j'ai tressé des louanges juste avant pour me faire pardonner de ce que je vais dire maintenant, qui ne sont pas intéressés que par la présidentielle, de la même manière que les partis politiques, de la même manière que l'ensemble des élites françaises, parce qu'on vit en monarchie et que donc on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule élection, mais une démocratie, c'est pas ça. Il y a plusieurs élections, et quand on va voter pour son maire, on ne répond pas à la question qui vous voulez comme prochain président. Et quand on va voter aux européennes, eh bien on doit répondre à la question posée par cette élection, c'est-à-dire quelle Europe vous voulez, quelle majorité politique vous voulez en Europe, qui doit imprimer sa marque sur des lois qui sont votées à l'échelle européenne et qui impactent l'ensemble des citoyennes et des citoyens européens. Et donc on vote partout en Europe le même jour, et c'est dommage qu'il n'y ait qu'un seul pays qui se prend pour un royaume d'Astérix et qui pense que en fait ce qu'il joue c'est l'Élysée. Non, ce qu'il joue là c'est les élections européennes. Et si les démocrates français, les politiques français apprenaient à répondre aux questions qui sont posées par les élections, eh bien peut-être que la démocratie française fonctionnerait mieux et serait moins verticale et perdrait moins d'influence dans les institutions européennes. Donc, je veux dire, à tous les Européens qui sont ici, que nous pouvons voter. Moi, je suis portugaise, mais on peut voter à Strasbourg pour les élections françaises ou portugaises. Il faut faire un choix, mais on peut voter là où on est. Ça, c'est extrêmement important. Et je voulais juste ajouter quelque chose, Mathieu, c'est qu'il faut aussi expliquer que plus de 60% des politiques nationales sont faites au niveau européen. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Non, c'est des transcriptions ensuite dans les lois nationales de directives européennes. Je voulais renchérir. Non, tu as raison. Je voulais renchérir sur ce que tu disais, mais c'est pas grave parce que j'ai oublié. Ça ne va être franchement pas très intéressant. J'oublie aussi vite. Je veux répondre maintenant à la question sur. Alors, je vais venir à la question militaire, mais d'abord, je vais répondre à la question sur fantasme. Sur l'Europe est un fantasme. L'Europe est un fantasme et est aussi un projet politique concret. Il y a évidemment des dissensus en Europe. Mais moi, je ne crois pas que ce soit des dissensus fondés sur l'Europe de l'Est contre l'Europe de l'Ouest ou sur l'Europe du Sud contre l'Europe du Nord. Je pense pas. Je pense qu'un pays comme l'Estonie est beaucoup plus allant dans la construction européenne que parfois Paris ou Berlin. Donc ce n'est pas une question géographique. Ce n'est pas non plus une question de nouveaux arrivants ou de pas nouveaux arrivants, de membres fondateurs. Moi, je vais vous dire qu'aujourd'hui, ce qui bloque l'Europe encore plus que le groupe Visegrad,
c'est l'impéritie du groupe franco-allemand. Et ça, ça a un impact plus fort sur l'absence de progrès de beaucoup de choses à l'échelle européenne. Et bien sûr qu'il faut combattre Orban et qu'il faut combattre les vétos hongrois, la menace du veto hongrois à chaque fois. Mais enfin, on est aujourd'hui à un moment où les Français et les Allemands, enfin Paris et Berlin, où les élites de Paris et les élites de Berlin, doivent comprendre que l'Europe n'est plus, si ça n'a jamais été, un condominium franco-allemand. Et qu'aujourd'hui, ils pensent que leur brouille actuelle entraînera la paralysie de l'ensemble de l'Europe. Moi, je pense qu'on évolue au contraire vers l'affirmation de plus en plus grande d'un intérêt général européen. Et que même, là, c'est vraiment la garantie que ça va être compliqué la campagne à venir, parce que moi, je me suis fait la promesse en lançant politique que je n'en tirerai pas. Donc voilà, c'est difficile à relever. Hein. Mais par exemple, sur la question que je sais très impopulaire de l'élargissement, ben moi, je vais défendre pendant cette campagne le fait que je suis pour, mais pas pour, oh mon Dieu, il faut quand même le faire, parce que non, je suis pour, et je pense que ce sera bien pour l'Union européenne qu'il faut en même temps faire l'élargissement et l'approfondissement de la construction européenne. Les deux, de concert. Et que l'entrée de l'Ukraine, par exemple, dans l'Union, sera bénéfique pour l'Union. Et que ça permettra justement de convaincre des pays qui ont l'impression d'être pris en otage par le coup franco-allemand, qu'en réalité, non. Progressivement, déjà, c'est pas un élargissement, c'est une réunification du continent européen, mais que progressivement, eh bien, on va enfin avoir l'affirmation d'une volonté générale européenne, et que quand on dira majorité qualifiée, ce sera plus simplement entre Paris et Berlin que ça se jouera. Ce sera à l'échelle européenne. Et qu'un jour, eh bien, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, et ça relève du fantasme, mais le fantasme produit la réalité. Le fantasme, c'est ce qui permet aussi de faire en sorte qu'on ne soit pas dans la répétition à l'infini du même. Parce que si on dit les choses sont en l'état, l'Europe n'est pas une puissance politique, ok, en l'état, l'Europe n'est pas une puissance politique. Mais si on a un projet qui relève donc d'un fantasme, qu'on génère une puissance politique, ça va transformer la réalité. Et honnêtement, il y a 5 ans, on vous aurait dit qu'on allait emprunter, on allait mutualiser nos capacités d'emprunt tous les pays européens. Vous auriez dit, c'est un fantasme. C'est parce qu'on avait fait exactement l'antithèse au moment de la crise de la dette souveraine. Et on avait enfoncé la Grèce, la tête des Grecs sous l'eau, et on avait refusé d'assumer de manière collective l'endettement et l'emprunt. Et bien, cette fois-ci, on a fait l'antithèse. Et pourtant, on avait pas une majorité de gauche partout. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a des progrès qui sont faits. Et ce qui relevait du fantasme en 2008, c'est matérialisé en 2022. Et donc, ce que je veux dire, oui, ça va relever du fantasme, mais bientôt, en tant qu'Européenne, tu ne voteras peut-être ni en France ni au Portugal, tu voteras en Europe. C'est-à-dire qu'il y aura des listes transnationales, le Parlement a voté, il y a une majorité pour, mais ça a été bloqué par les États, des listes transnationales pour les élections européennes. Parce que ce dont on se rend compte aussi quand on est au Parlement européen, c'est qu'en réalité, on est beaucoup plus proche d'un socialiste espagnol, d'une socialiste portugaise, ou d'une verte allemande, ou d'une libérale estonienne, que d'un nationaliste conservateur français, sur les options qu'on doit choisir pour l'ensemble du continent. Et donc il y a l'affirmation là, à l'état certes encore embryonnaire, mais l'affirmation là d'une politique européenne, réellement européenne. Pas simplement un compromis entre deux nations, pas simplement de l'intergouvernementalité, mais une existence européenne. Et je crois qu'on va avancer vers ça à condition qu'on soit capable de prouver que ça a des avantages extrêmement concrets pour les citoyennes et pour les citoyens. Mais en ce moment, on est sûr qu'on ne les aura pas, ces listes transnationales, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont contre. Mais il y avait, mais faut le dire. Mais enfin, on avait le principal pays européen, la principale économie européenne, qui un an avant qui ait la capacité d'emprunt mutuel, mais c'est quand même emprunter ensemble, c'est un moment important. Et vous auriez été à Berlin en
en train d'expliquer dans un an les Allemands allaient garantir la dette italienne. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai beaucoup écrit sur ça, effectivement, c'est une surprise. Voilà, donc, et de la même manière, à petite échelle, quand au début des négociations au Parlement européen, on a dit qu'on allait faire en sorte que les multinationales soient responsables de l'ensemble de leur chaîne de production et que donc Zara serait responsable de tout ce qui permet de produire ses chemises et donc de faire du fric, au début, il y a beaucoup de gens au Parlement européen qui nous ont regardé comme si on était des bolcheviques complètement barrés. Qui voulait abolir la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire que, et pourtant, juste à la fin, il y avait une large majorité pour le faire. Donc en fait, je suis convaincu que les choses changent sous la pression des événements, d'ailleurs, sous la pression des faits. Et la pression des faits, avant de devenir une puissance écologique, il faudrait déjà que ce soit une puissance de défense qui est capable de se protéger et de protéger ses intérêts. Je pense que les deux sont intimement liés. Et que moi, je suis j'ai présidé pendant... tout ce mandat, la commission spéciale du Parlement sur les ingérences étrangères, je pense qu'il est plus que temps, enfin, ça devient vital que l'Union européenne prenne en charge les questions de sécurité et de souveraineté. Elle n'a pas été conçue pour ça. Les institutions européennes ont été fabriquées dans la perspective de la paix perpétuelle et donc de l'inutilité totale de ces questions. Mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, on joue notre vie là-dessus. Donc, oui, il faut l'Europe de la défense, mais une Europe souveraine, construire la souveraineté européenne, ça passe par construire un outil de défense, ça passe par coordonner nos investissements dans les questions de défense et de sécurité, mais ça passe aussi par le fait de ne plus dépendre de pétromonarchies qui nous tiennent par nos tuyaux et de la Russie pendant 20 ans, ce qui a fait qu'en gros, on a sacrifié l'ensemble de nos intérêts et de nos principes. Et on a nourri le poutinisme et le régime de Poutine simplement parce qu'en fait, on était drogués au gaz russe. Et donc, aujourd'hui, on a remplacé cette dépendance par exemple, l'Azerbaïdjan. Et donc, on est bouche fermée face au sort de l'Arménie et face au Qatar. Et donc, on ne va pas parler de X ou de Y. Donc voilà. Donc, OK, très bien. Mais il n'y a pas de partie à voir. Il y a une transition énergétique à mener. Les États-Unis, les autres ne sont pas liés sur la ressource énergétique. Mais, le Canada aussi. Mais parce que vous pensez que les ressources énergétiques, et là je pense qu'on diffère, les ressources énergétiques, ce n'est pas juste le gaz et le pétrole. Les ressources énergétiques, c'est les énergies renouvelables, c'est la question du nucléaire. Ça a été. Oui, mais justement, la transition énergétique, ça va nous permettre à nous qui sommes des importateurs nets d'énergie fossile, à nous qui sommes dépendants des pays producteurs d'énergie fossile, de recouvrer notre souveraineté énergétique. C'est ça, la transition énergétique. Dans 10 ou 15 ans, on ne sera plus dépendant de ces puissances-là. Oui, mais sauf qu'il n'y aura pas de souveraineté véritable sans cela. Donc on peut construire une défense, mais il faut aussi qu'on construise, nous, notre souveraineté énergétique. Et ça, c'est totalement possible. C'est totalement possible. Ça suppose, du côté écolo, de sacrifier certains dogmes, parce que moi, je considère que l'opposition frontale au nucléaire et faire de la sortie du nucléaire un objectif en soi, eh bien, ça contrevient justement à la transition qui nous rendra souverains. Donc ça, ça suppose une révision de ce qui était prôné pendant des décennies et qui était même constitutif à l'origine de l'écologie politique. Mais ça suppose des investissements massifs dans les énergies renouvelables. Et ça suppose un changement de nos politiques commerciales. C'est pas juste construire la défense. Moi, je suis le premier partisan de l'Europe de la défense. Et je pense, comme vous, qu'il y a une forte possibilité qu'on se retrouve seul. Et que les élections européennes, elles vont être suivies d'élections américaines qui peuvent marquer une rupture historique. D'avoir un président des États-Unis qui balance par-dessus bord l'architecture de sécurité européenne. Et à ce moment-là, on va se rendre compte à quel point on n'est pas prêt à assumer cette solitude et notre propre sécurité. Et que, en fait, si on analyse bien les évolutions de la société américaine, en réalité, c'est Biden, la parenthèse, c'est pas Trump. Et que là, on a eu la chance, mais disons-le, enfin, de toute façon, il faut être cash et dire la vérité, on a eu la chance d'avoir Biden président des États-Unis le 24 février 2022. Parce que si ça avait été Trump, j'aimerais autant vous dire qu'on serait dans une situation sécuritaire horrible au moment où on se parle.
Et s'il revient, on sera aussi. Et s'il revient et qu'il fait un deal avec Poutine sacrifiant la sécurité collective européenne, on va se trouver dans quelle situation là? Et donc là, on a un enjeu qui est un enjeu vital. Mais ça passe aussi par la souveraineté énergétique, ça passe aussi par le changement de nos politiques commerciales. Juste pour être un tout petit peu concret. Il y a 15 ans en Europe, on avait des champions du photovoltaïque. Il y a 15 ans en Europe, on avait des champions du photovoltaïque. On les a laissés, à cause de politiques commerciales complètement iniques, se faire ratiboiser par une concurrence chinoise totalement déloyale, qui reposait notamment sur l'esclavage des Ouïghours. 60% des panneaux solaires qu'on importe sont teintés de travail français. Et sur l'esclavage des Ouïghours, et sur des subventions et une stratégie de vente à perte. Et nous, on a accepté que notre industrie du photovoltaïque se passe ratiboisée. Donc ensuite, on vote des subventions mirifiques, et on a raison de le faire, il faut le faire, des subventions massives à l'installation de panneaux photovoltaïques, mais qui sont aujourd'hui des subventions à l'appareil productif chinois à cause de nous, parce qu'on a complètement laissé de côté la production européenne. Et aujourd'hui, on risque, alors comme on est un peu sorti de la naïveté, j'espère qu'on va l'éviter, mais on risque de faire la même connerie. J'ai hésité à le prononcer, mais c'est nul. Sur l'éolien. Et donc, on a vraiment là besoin de comprendre que c'est un tout, la souveraineté européenne. C'est la défense. Il faut qu'on soit capable d'assumer ça, notre défense. C'est la souveraineté énergétique et c'est le fait de ne plus être simplement un continent consommateur, mais un continent producteur. Et il faut donc comprendre comment, finalement, la transition écologique, c'est ce qui va nous permettre de redevenir producteur. Parce que si vous voulez redevenir producteur, très clairement, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui relevait encore du fantasme il n'y a pas longtemps, qui aujourd'hui entre en vigueur, mais qui est un demi-fantasme en réalité, toujours, on ne se parle, parce que c'est très limité l'impact de cette taxe carbone aux frontières, comme on dit. Eh bien, si vous ne posez pas des cadres qui protègent la production européenne, ça ne viendra pas. Et la seule manière de poser ces cadres-là, c'est par la transformation écologique, c'est par la prise en compte de l'impact écologique des produits qui entrent sur notre marché. C'est comme ça qu'on va le faire. Et donc je crois en fait que les deux, la question de la souveraineté européenne, de la sécurité des citoyennes et des citoyens européens, et la question de la transformation écologique, c'est la même chose. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on reformule la question écologique dans le langage du réalisme stratégique. Il y a un article, moi, qui m'a marqué dans l'année 2022, au moment de l'invasion totale de l'Ukraine par le régime de Poutine. C'est un article de Charles Bonnier, un chercheur français, sur l'écologie de guerre. Et ce qu'il produit dans cet article, c'est une vraie révolution conceptuelle dans le milieu des recherches écolo. C'est la première fois que je lis une formulation du projet écologique, de la question de la transformation écologique, y compris de la sobriété écologique, dans le langage du réalisme stratégique, faisant de la transition écolo non plus simplement une fin en soi qui nous conduit à faire plein de sacrifices que les gens vont progressivement de plus en plus refuser, mais un moyen de l'affirmation de nous-mêmes. Et ça, je pense que ce déclassement théorique, a priori, qui peut choquer, en réalité, ça permet de faire comprendre ce que l'écologie nous importe, pas simplement parce que ça va sauver le monde, qui est quelque chose qu'on peut repousser, mais en termes d'impact direct sur nos existences. Et c'est ça l'enjeu, c'est de montrer qu'en fait les deux sont complètement liés et qu'on arrivera à donner un horizon cohérent au déploiement de la puissance européenne si on prend en compte ces deux aspects-là. Il faut construire une Europe politique capable d'assurer sa propre défense, sortir de ce truc humiliant des nuits blanches tous les 4 ans pour savoir ce que votent les électeurs du Michigan, pour savoir si Berlin et Vilnius seront défendus ou pas. Enfin, quand même, c'est ce qui nous arrive. On va tous faire une nuit blanche au moment de l'élection américaine et dire... Et bien, il faut sortir de ça, il faut être capable de le faire soi-même, se défendre tout seul. Quoi. Alors, on n'y est pas parce que le Parlement européen, cette semaine, va discuter le fait qu'on a promis combien de millions de munitions pour l'Ukraine et on est à combien? On n'en a pas. Et parce que l'Europe, pour être une puissance militaire, il faut produire des armes. Et pas seulement dire je suis une puissance militaire. C'est
sert à rien. C'est sûr, on est d'accord. Donc, il faut quand même développer ce côté militaire, parce que je suis un peu militaire. Moi, je me dis, cash, on ne peut pas. Enfin, c'est une discussion intéressante à gauche, mais on ne peut pas être anti-militaire. En fait, être contre. Non, mais être contre l'existence d'une défense, c'est être pour que ceux qui déclenchent les guerres gagnent. Donc, en réalité, si on veut défendre la démocratie, les libertés publiques, l'état de droit, si on veut être capable de décider nous-mêmes de ce qu'on veut faire de nous-mêmes, on est obligé de penser les questions de défense. Et on est obligé de penser les questions de sécurité. C'est fondamental. Et je pense que d'ailleurs, dans le fait que la gauche soit devenue complètement non crédible en termes de gouvernement de nos pays, c'est largement ces questions-là qui ont joué. C'est-à-dire que comment est-ce que dans une période aussi dangereuse, vous pouvez confier les rênes de vos États à des gens qui disent « Ouais, c'est facile, on prend l'argent du budget de la défense, on le fout dans l'éducation. » Moi, je veux dire, a priori, comme ça, sur une terre plate, tout le monde est sympa et tout le monde est content. Je suis tout à fait fort qu'on dépense beaucoup plus dans l'éducation que dans la construction de tanks. C'est pas ma passion, je ne les collectionne pas chez moi avec des soldats de plomb. Mais par contre, ce que je sais, c'est que c'est complètement irréaliste de dire des phrases comme ça. Et que donc, quand le président de la France, qu'on peut critiquer sur un million de points, j'espère que la question qui me permettra de le faire, décide d'augmenter les budgets de l'armée, il ne faut pas répondre de manière pavlovienne, des trucs genre ah voilà, les militaristes, etc. Mais non, enfin, je veux dire, on est dans une situation extrêmement dangereuse. Et aujourd'hui, nos capacités de défense à l'échelle européenne sont ridicules par rapport au poids qu'ils ont. Et c'est par ailleurs l'occasion pour la France, puisqu'elle a conservé une forme de tradition sur les questions de sécurité, de redevenir influente en Europe, à condition qu'elle joue le jeu de l'Europe. Qu'elle ne se laisse pas briser à la première invitation par un tyran au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Non, c'est génial parce que comme ça on peut parler de Tolstoï avec Poutine. Et par Xi Jinping en Chine. Et donc si on a une vraie politique européenne, si on comprend que l'affirmation de ce que nous sommes en tant que Français passe d'abord par la discussion avec Varsovie, Bruxelles, ou Tallinn avant de s'adresser et de se hausser du col avec Poutine et Xi Jinping, bien là, on pourra faire quelque chose sur ça. Et on pourra reprendre de l'influence en Europe. Encore des questions de l'instant. Alors, j'ai trois de ce côté-ci. Je vais prendre à gauche Ulrich. Oui, alors une petite question qui concerne l'élection européenne, parce que effectivement, vous avez souligné l'importance de cette élection du 9 juin de l'année prochaine. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, mais qui est contraire à la culture politique française, c'est que c'est une élection avec un seul tour. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire « Oh, ben, je vais à la pêche le 9 juin, je me rattrape le dimanche d'après ». Non, c'est un seul tour. Et c'est contraire à la culture politique française, tout comme la culture du compromis qui est nécessaire au niveau européen, d'ailleurs Raphaël l'a souligné tout à l'heure, et c'est important de pouvoir dialoguer avec des partenaires pour construire une majorité au niveau européen. Il y a la question qui relève aussi de cette culture politique française de la souveraineté. Alors on a un président qui nous a dit au départ, oui, on veut une Europe souveraine. Bon, très bien, je partage cette conviction. Mais dès qu'il s'agit de certaines choses, j'ai vu ces jours-ci, par exemple, la question de la définition du viol, qu'on ne voudrait surtout pas au niveau européen, parce que ça relève de la souveraineté nationale en France, de définir le principe du viol. Voilà, je vous laisse ça. Et ensuite, j'ai vu sur l'invitation que Raphaël appartient à un mouvement qui s'appelle Place publique. Et ça m'amène à l'autre question que je voulais poser. Quel rôle pour les médias au niveau européen parce que la politique se fait pas seulement par les hommes et les femmes,
elle se fait aussi par les médias. Et bien, Fernanda est bien placée pour le savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire en Europe pour que les médias fassent davantage de place publique à cette Europe? On a parlé des listes transnationales, mais ça c'est encore un fantasme qu'on ne va pas avoir pour le 9 juin de l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dès à présent? Bon, il y a une station de télé qui fonctionne à Strasbourg, qui s'appelle Arte, qui fait ça très bien, mais c'est quand même un peu confidentiel. Voilà. Oui, il faut dire que Kaveh Al-Luxman a beaucoup travaillé sur les fake news. J'ai modéré un débat Euroscola avec des jeunes où tu as fait une excellente intervention. Je prends, oui, avec plaisir. Merci. Oui, c'est la question justement de l'Europe puissance. En fait, vous avez dit que vous étiez délibérément et absolument pour l'élargissement. Mais est-ce que l'élargissement n'est pas un frein à la progression vers une Europe fédérale? D'ailleurs, je ne sais pas en fait si vous êtes fédéraliste ou pas. Il me semble, quand on vous entend, vous voulez. Et la autre question, elle est tout à fait concrète, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir qu'on aille vers la révision des traités et vers une assemblée constituante comme c'est prévu par le Parlement européen? Alors, je vais prendre des jeunes là-bas. Merci. Bravo, Fernanda. Merci. Les plus jeunes. Oui, les plus jeunes. C'est très amusant, c'est très bien que je sais les jeunes. Ah, je faisais la remarque que je n'avais pas les cheveux assez blancs pour. J'avais deux questions. Première question, on parlait du fantasme de l'Europe, etc. Et vous parliez de take back control par rapport au Brexit. Je pense que vraiment, beaucoup d'Européens ne comprennent vraiment pas la notion, la conscience du contrôle qu'on peut avoir lorsqu'on va voter aux élections européennes. Et en fait, de aussi comment la politique européenne va impacter nos territoires, nos régions et en fait notre quotidien en fait. Et je pense là-dessus, par exemple, il y a toutes les stratégies macro-régionales de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et en fait, ces stratégies macro-régionales travaillent également avec des pays qui ne sont pas membres de l'UE, comme l'Ukraine, comme la Suisse, et permettent aussi d'avoir cette notion d'identité commune entre nos régions. Et ça, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce que vous en pensez. Et après, je voulais dire aussi sur le fait que la génération Erasmus, j'ai regardé Erasmus, ça date de 87. Et donc, en fait, moi, j'ai l'intime conviction que les jeunes sont pas du tout eurosceptiques. Enfin, moi, j'ai le sentiment, j'ai plus l'envie d'aller voter aux élections européennes, parce que je crois plus en l'Europe, que parfois dans les élections nationales. Et donc, je ne sais pas si, comment vous pensez, et je crois que l'Europe met Paris sur la jeunesse, comment vous, au sein de, en tant que député européen, pariez sur la jeunesse aussi. Comme vous avez parlé de Brexit, il est en anglais, donc je vous laisse poser la question, qui a demandé à poser la question. Oui, mais ma question n'est pas du tout sur le Brexit. Je voulais juste vous poser une question, parce que je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit sur l'Azerbaïdjan. Parce que j'ai eu l'impression que ce qu'il fallait faire, c'était fermer les yeux à ce qui se passe en Azerbaïdjan pour obtenir leur gaz. Comme j'ai l'impression que l'Union européenne, de toute façon, ferme les yeux à ce qui se passe en Azerbaïdjan et que l'Union européenne ferme les yeux à ce qui se passe en Turquie, où on paye, pour refouler les migrants qui voudraient venir ici et qui ne paraît pas très conforme aux droits humains. Alors, une dame, je vais vous dire. Commentaire. Pas trop la voix qui pense, mais je disais, est-ce que vous avez parlé de faire de l'Union européenne une France politique? Je vais le tenir. Donc à ce moment-là, comment, c'est peut-être le mauvais mot, mais arracher un peu de souveraineté aux États pour le donner à l'Europe. Alors ça va pour le moment. C'est une question très simple, c'est que l'Europe est pensée sur la diplomatie. On reviendra encore à Raoul un peu. Ça fait beaucoup là déjà.
Tu fais attention de ne pas toucher. C'est pas des questions simples en plus. Je vais essayer d'être plus bref que dans les réponses que j'ai ressenties. C'est pas quand même, mais bon. Ce sont des élections à un tour. Donc personne ne va à la pêche le 9 juin. Même s'il fait beau, même si les gens sont contents, même s'il y a un apéro gratuit, etc. Enfin, on va à l'apéro, mais d'abord, on vote. Et on la main des c'est à l'élection à un tour, c'est un problème. Qui ont une question européenne, et c'est, surtout, c'est à la proportionnelle, en plus. Et donc, effectivement, c'est très distinct de la culture politique traditionnelle française. Et vous avez commencé le mot compromis. Moi, je pense qu'il y a une suspicion toujours que compromis, c'est compromission. Et en réalité, je crois que c'est un exercice excellent pour la démocratie, le fait, par exemple, qu'au Parlement européen, il n'y ait pas une majorité, qu'on doit construire une majorité autour de chaque projet. Des fois, c'est frustrant, des fois, c'est j'aimerais avoir une majorité absolue et faire comme ça pour que nos lois, que je sais être bonnes, arrivent. Mais je crois que c'est un exercice que tout politique, tout représentant devrait faire, qui est, tu veux que ton objectif soit atteint, eh bien, c'est important d'aller parler à un conservateur slovaque. Parce que, en fait, en faisant cela, tu apprends à reformuler ton objectif dans un langage qui n'est pas le tien. Et je ne parle pas de traduction du français au slovaque. Je parle de traduction d'un progressisme qui répète son mantra vers un conservateur. Et pourquoi cela ? Si on garde la radicalité de l'objectif, ça nous apprend aussi à une autre langue. Et je pense que la gauche française est en train de crever à force de répéter tout le temps les mêmes mots. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est des videurs de boîtes de nuit et ou des prêtres qui ont une église qui est de plus en plus vide et que le prêtre, au lieu de s'interroger sur son prêche, engueulerait les fidèles qui se barrent. Et bien, il y a un moment, il faut interroger nos mots. Non mais c'est vrai. Et ça, je pense qu'un stage au Parlement européen, c'est utile pour chaque politique française, parce qu'on apprend à reformuler quelque chose, à chercher des mots qui vont convaincre des gens qui ne pensent pas a priori comme nous. Et c'est ça l'apprentissage de la démocratie aussi. Et si le but, c'est de conquérir une majorité, quand on fait 22% par exemple, et le but, c'est d'avoir 51%, là, il va peut-être falloir se questionner sur la manière dont on va aller chercher des gens qui, a priori, ne pensent pas comme nous. Et les convaincre que les solutions que nous proposons sont les meilleures. Et ça, on apprend à le faire à l'échelle européenne, puisque on n'a pas un claquement de doigts qui nous donne une majorité. Donc c'est pour moi extrêmement intéressant. Et en plus, vous m'offrez, avec votre question 1, la possibilité de parler du dogmatisme et du sectarisme de la classe politique française. Mais en plus, vous m'offrez l'occasion, je le réclamais tout à l'heure, d'attaquer le président de la République, donc je vous remercie, sur la question de la définition du viol et de l'article 5 dans la directive sur les violences faites aux femmes. Et c'est une position pour moi, alors là, complètement incompréhensible de la part des autorités françaises, pour une raison très simple, c'est qu'on a un président qui a fait de la lutte pour les droits des femmes, pour l'égalité des genres, soi-disant, et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la cause majeure du quinquennat et qui refuse une avancée majeure pour les femmes européennes et les victimes de violences sexistes et sexuelles. Et on a en plus un président qui s'est autoproclamé pro-européen, le plus européen des présidents français, et qui refuse cette avancée, qui refuse l'article 5 avec un logiciel qui est profondément anti-européen en réalité. Quand on dit qu'il n'y a pas de base juridique pour cet article, ça écorne complètement la réputation pro-européenne. Être pro-européen, ce n'est pas simplement déclamer son amour de l'Europe ou mettre des petits drapeaux bleus étoilés dans des meetings. C'est aussi embrasser les avancées que propose la Commission européenne quand elle est plus progressiste que les États, y compris le sien. Et là-dessus, je pense que c'est une occasion historique ratée. Et quand en plus, on met la mauvaise foi, parce qu'en réalité, il nous explique qu'il n'y a pas de base juridique, alors qu'il y a une base juridique, et là-dessus, et le Parlement et la Commission, les experts sont tous d'accord pour le dire. Mais ensuite, l'argument de dire oui, mais la définition sur le non-consentement, sur le consentement du viol est problématique, enfin, c'est celle qui est déjà dans la Convention d'Istanbul, qui a été acceptée, adoptée par la France. Donc en réalité, il y a là une hypocrisie fondamentale. Et je crois vraiment que c'est une décision conjointe du ministre de la Justice et du président, et que c'est une erreur terrible, qui en plus met très mal à l'aise les députés du parti présidentiel au sein du Parlement européen, parce qu'ils ont tous voté le texte,
et qu'il a fait un transport du consensus, quasi-consensus, au Parlement européen. Ce n'est pas la première fois que la France bloque des avancées progressistes de l'Union et de la Commission. Et je pense que c'est aussi une leçon d'humilité pour tous ceux qui expliquent en permanence que oui, bah, on ne peut pas avoir de politique progressiste parce que la Commission européenne, Voilà, que ce soit sur le congé parental au dernier mandat ou là, sur la question de l'article 5 de la directive et bien et la définition européenne du viol, il y a des avancées progressistes proposées par la Commission, validées par le Parlement et qui sont bloquées par l'État-nation français, cette avant-garde du monde. Vous savez pourquoi? Quelle est le... Alors, je pense qu'il y a un raisonnement... Oui, la Libye juridique. Non, c'est pas la Libye, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il y a un raisonnement souverainiste derrière ça, en disant que c'est notre rôle de le définir. C'est pas à la Commission ou au Parlement européen, pas aux institutions communautaires, de définir ça. Et par ailleurs, il y a un gros doute du ministre de la Justice français sur la définition elle-même. C'est-à-dire sur la question de fonder le viol non plus sur la preuve de la contrainte, mais sur la question du non-consentement. Mais je pense que les deux sont erronés et que c'est pour les deux types d'arguments un vrai problème, à la fois sur la question féministe et la question européenne en tant que telle. Et elle doit le faire, elle le fait, et d'ailleurs sur beaucoup de sujets, là, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, ou sur les questions de liberté, l'échelon européen est souvent beaucoup plus progressiste que l'échelon national. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire aussi, parce que quand on fait une réforme des retraites que personne ne veut et qu'on explique que c'est la Commission européenne qui l'impose, je veux dire, c'est vraiment ressortir aussi l'épouvantail habituel de c'est la faute à l'Europe. Et par contre, quand la Commission européenne propose quelque chose d'extrêmement progressiste, il ben, faut le dire que c'est la France qui bloque, enfin le gouvernement français en tout cas. Sur l'Europe puissance et la question est-ce que je suis. Enfin, la question d'élargissement et aussi la question est-ce que vous êtes fédéraliste. Moi, la réponse serait la même, même si c'était un anti-fédéraliste qui pose la question. A priori, je ne change pas mon rapport à la fédération européenne en fonction de l'interlocuteur. Moi, je ne suis évidemment pas dans l'illusion. Si on fait l'élargissement sans aucune modification du fonctionnement européen, ça ne fonctionnera pas, mais de toute façon, si on ne fait pas de modification du fonctionnement européen, ça ne fonctionnera pas, même sans élargissement. Donc la question, elle est très simple. C'est comment est-ce qu'on va faire les deux? Et je crois au contraire que si on intègre l'Ukraine dans l'Union européenne, on aura un surcroît de puissance, y compris sur la question de défense dont on parlait. Et par ailleurs, au-delà de ça, je pense que ce que les Ukrainiens vont nous apporter, c'est quelque chose de profondément indéfinissable. Donc ça, ça a l'air d'être un fantasme, mais qui en réalité est profondément fondamental. C'est le fait qu'ils nous réapprennent et ils vont nous réapprendre, une fois qu'ils auront intégré nos institutions, à quel point ces institutions doivent être défendues et à quel point la démocratie elle-même doit être défendue. Nous allons cesser d'être des démocrates par conviction et enthousiasme pour devenir des démocrates par inertie et par habitude. L'intégration de peuples qui jouent leur survie dans l'intégration européenne, dans la perspective de l'intégration européenne, ils sont prêts à crever pour nous rejoindre, ça sera quelque chose qui va bouleverser les mentalités au sein même des institutions européennes. Et je pense qu'ils nous tendront un miroir dans lequel nous avons cessé de nous regarder et nous avons perdu l'habitude de nous voir. Et ils nous montreront quoi? Que finalement, ce qu'on a construit, qui peut certes relever parfois du fantasme, est en réalité quelque chose d'immense. Et qui doit un jour, avancer vers plus de fédéralisme, pour répondre à votre question. Enfin, il y a juste une autre chose. Les Ukrainiens qui vont nous introduire, enfin, nous ramener aussi dans les institutions, le courage, qui n'est pas forcément la denrée la plus répandue dans les cercles de pouvoir dans les pays européens. Et c'est quelque chose dont on a besoin si on veut construire l'Europe de la défense et l'Europe puissance et tout ce que vous voulez. La révision va se faire.
Eh bien, il faut faire les deux en même temps. Après moi, je ne suis pas le seul décideur de cette histoire. Non, moi, moi, je vais vous dire ce que je vais défendre dans la campagne électorale. Voilà. Moi, je vais assumer l'élargissement et assumer un saut fédéral pour l'Europe, les deux. Et je pense que le traité d'élargissement doit être un traité d'approfondissement aussi. Et qu'on doit faire les deux en même temps. Et qu'en plus, c'est très réaliste parce que ça permet de dealer avec les pays qui sont sceptiques sur l'élargissement, mais qui sont partenaires de l'approfondissement, et bien le fait que l'élargissement est la condition d'acceptabilité de l'approfondissement pour des pays qui, au contraire, sont favorables à l'élargissement et sceptiques sur l'approfondissement. Et donc, c'est comme toujours à l'échelle européenne, ce sera un deal, mais là, on a 2,40, si vous voulez. Et pour amener Paris, on va parler d'approfondissement, et pour amener, je ne sais pas, Varsovie, maintenant ça a changé, parce que ça va devenir... Les plus européens. Les plus européens, mais on va apporter l'élargissement. Il faut que j'aille plus vite. Sur la question de Alors, il y avait deux questions. Il y avait sur les régions. Et moi, je pense que ce qu'on doit proposer, c'est quelque chose qui a été proposé, mais qui n'a jamais été mis en place. C'est un vrai pacte girondin. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à faire que ce qui existe déjà sur les fonds de cohésion, par exemple, c'est-à-dire une relation directe entre l'échelon communautaire et l'échelon régional, se développe de plus en plus. Et sur l'utilisation de ces fonds, par exemple, souvent on se rend compte que c'est l'État central qui bloque, qui ralentit le processus. Là, ici, la commissaire responsable par les fonds. Question. Madame Elisabeth, elle ouais. peut... Mieux répondre moi à la question, c'est sûr. Sauf que c'est souvent les États qui bloquent et pas la Commission. Je parlais de l'exemple de la France. Non, mais je crois que c'est partout, non, madame la commissaire. C'est partout. Un peu. Non, mais moi je parle sous contrôle, hein. Vous savez mieux que moi. Mais... Ah, ok. Et donc, ils font un pacte girondin, et je pense que d'ailleurs, la question des fonds de cohésion permet aussi de voir ce qui fonctionne. Et notamment, cette philosophie, en particulier quand on est français, on a l'habitude quand même d'un état très vertical qui descend, la philosophie ascendante des fonds de cohésion, qui est aussi un apprentissage de la démocratie, en même temps, peut-être fondamental sur les questions sociales et sur les questions de développement. Sur les jeunes, alors moi je suis entièrement d'accord. Et c'est un tout pari que je fais, c'est-à-dire que je suis fondamentalement d'accord. Et d'ailleurs, quand on voit qu'il y a 8 jeunes français sur 10 qui sont abstenus aux élections régionales, que le chiffre était bien moindre aux élections européennes et qu'à mon avis il va être encore bien moindre aux élections prochaines du 9 juin 2024, on comprend qu'en fait, en tout cas, il y a une partie, pas toute la jeunesse française, mais une partie de la jeunesse française qui a compris à quel point ça se joue à l'échelle européenne, sur toutes les questions qui l'intéressent fondamentalement, sur les questions de démocratie, sur les questions d'humanisme, sur les questions d'écologie, sur les questions climatiques. Ça se joue à l'échelle européenne. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on mette à place publique, on va le faire, et j'espère qu'on le fera plus que cela, mais la jeunesse au cœur même de la campagne, quel soit le cœur de la campagne. Et vous allez voir dans cette campagne à quel point il y a des centaines de milliers de jeunes en France qui ont envie de se mobiliser sur les questions qui touchent à l'Europe. Et je le vois pendant tout mon mandat, c'est grâce aux jeunes français qui ont imposé par exemple la question des Ouïghours au cœur du débat public qu'on a pu avoir ensuite une porte-parole. Et ça, c'est essentiel. Et ensuite, on a eu des centaines de milliers de jeunes français qui sont passionnés pour les débats parlementaires sur la question du devoir de vigilance des entreprises ou sur la question de la loi sur la restauration de la nature. Et c'est génial. Et je pense que pour ces jeunes, ils comprennent spontanément que ça se joue à l'échelle, pas tous les jeunes, mais une grande partie. Et on va essayer, nous, de faire une campagne qui soit aussi enthousiasmante. Parce que la réalité, c'est que quand on a une jeunesse qui se réfugie, une grande part de la jeunesse qui se réfugie dans l'abstention, c'est aussi une question d'offre politique, c'est aussi une question de méthode politique, c'est aussi une question de langage politique, c'est aussi une manière qu'ont les partis d'être chiants comme la mort.
Erasmus est un bon projet. Voilà, et c'est magnifique. Il faut juste l'élargir et le rendre socialement plus ouvert. L'Azerbaïdjan, alors moi ce que je disais, c'est qu'en fait, notre dépendance gazière fait qu'on n'a en gros rien dit sur le comportement d'Aliyev et de Bakou, et que désormais se pose à nous une question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour défendre la souveraineté de l'Arménie, stricto sensu. Et aujourd'hui, les aides, elles sont encore minimes. La vérité, c'est que l'Union européenne a très peu soutenu Yerevan et le fait encore assez peu. Et donc, il faut, en plus, franchement, le Premier ministre Pachinian, il est... il a un vrai projet de modernisation et de démocratisation de l'Arménie. Il vient demander notre aide. Il est venu au Parlement européen, il est venu demander notre aide. Il est prêt, et il le met en acte, à émanciper l'Arménie de la tutelle russe. Et de toute façon, tout le monde a vu à quel point la Russie avait basculé, avait donné son feu vert à l'invasion. Et donc, il faut impérativement augmenter ça. Mais ça passe, ça, par une capacité, je vais revenir, d'être autonome vis-à-vis du gaz azéri, qui par ailleurs est en grande partie du gaz russe déguisé. Arracher de la souveraineté aux États, ben, c'est tout l'enjeu des rapports de force politique. Et vous savez, moi, j'ai adoré ce mandat, parce que c'est magnifique les questions qu'on a gérées, enfin, elles sont immenses, mais aussi parce que en fait, c'est un mandat en gestation, comme toutes les institutions européennes, avec le témoignage de la commissaire, mais en fait, c'est des institutions qui ne sont pas finies, et donc le mandat, vous l'écrivez, vous ne rentrez pas dans des institutions déjà toutes finies, et le Parlement, en fait, a les pouvoirs qu'il prend, et parfois, j'étais frustré, alors là, j'espère que à la commission, on en pourra pas, au conseil surtout, parfois j'ai été frustré par le peu d'entrain qu'ont les parlementaires européens à jouer le rapport de force avec les autres institutions européennes, et donc à arracher du pouvoir. Et je pense qu'il faudra le faire beaucoup plus, mais ça suppose encore une fois qu'on ait des majorités différentes, ou même des gens différents au Parlement, mais... il faudra faire ça avec les États aussi. Et je pense que là-dessus, d'ailleurs, la Commission, qui est une institution de facilitation, et le Parlement, qui est un des co-législateurs, franchement, ont le même objectif. On travaille main dans la main pour essayer d'affirmer l'intérêt général européen. Et on se heurte en permanence à des États qui refusent l'affirmation de cet intérêt général et qui voient toute délégation de souveraineté comme une perte. En réalité, nous, il faut qu'on montre concrètement à quel point, à chaque fois, c'est un gain de souveraineté, c'est pas une perte de souveraineté. C'est peut-être une perte de souveraineté pour une partie de la technostructure française, mais en réalité, pour les citoyens français, c'est un gain de souveraineté. Et ça suppose un rapport de force politique. Donc, effectivement, vous avez le bon terme, ça sera arraché. Là, je ne crois pas à la proclamation d'une fédération européenne du jour au lendemain. Je pense que progressivement, on va arracher, et les crises de l'histoire vont susciter cet arrachement, des pans de souveraineté supplémentaires. Mais il n'y aura pas le grand moment du débat tranché entre souverainisme et fédéralisme. C'est pour ça que je dis, moi, je suis pour des avancées fédérales. Et il n'y aura pas un vote où il y aura 51% des gens pour le fédéralisme et 49% pour le souverainisme. Il y aura la construction progressive d'avancées fédérales qui seront arrachées et qui permettront plus de cohérence et plus de politique à l'échelle européenne. Et enfin, sur la question de la diplomatie, c'est pas parce que je suis pour construire une défense que je suis contre la diplomatie. Je pense qu'il faut quand même dire une diplomatie. Il y a un diplomate. On va dire la diplomatie. C'est-à-dire qu'il faut l'affirmation d'une diplomatie forte, mais effectivement, on a vécu pendant longtemps dans l'illusion que parce qu'on discutait, parce qu'on négociait, parce qu'on signait même des accords, en réalité, on aplanissait le monde. Le monde ne s'aplanira pas.
Il n'y a pas la Terre est plate, là, c'est fini, ça. La Terre est ronde. C'était un édito du New York Times qui disait la Terre est plate. C'était au moment de l'illusion de la fin de l'histoire et le fait que le commerce apaiserait les mœurs et que tout le monde se retrouvait en démocratie libérale s'il buvait du Coca-Cola. Bah, en fait, non. Ça se passe pas vraiment comme ça. Et l'exemple de la Chine le montre bien. Plus ils se sont ouverts aux investissements et aux produits commerciaux européens et occidentaux en général, plus ils se sont fermés politiquement. Donc en fait, il n'y avait pas eu de conjonction comme on l'avait appris à Sciences Po dans les années 2000. Et donc, ce qu'il faut, c'est construire un instrument de la puissance. Alors ça passe pas nécessairement par des instruments de défense, ça peut aussi être des instruments de défense commerciale. Aujourd'hui, on négocie, on a voté, on va les négocier en trilogue, donc en réunion avec le Conseil et la Commission européenne, l'instrument de bannissement des produits de l'esclavage de non-marché. Bah, c'est aussi une manière d'assumer un rapport de force avec la Chine de faire ça. Et il faut construire ces instruments commerciaux qui nous protègent, qui protègent nos principes, mais qui protègent aussi nos intérêts, c'est-à-dire l'intérêt d'avoir une production européenne, que vous ne mettez pas en concurrence avec une production esclavagiste, mais qui nous permettent d'assumer un rapport de force. Et aujourd'hui, l'Union européenne est extrêmement incapable d'assumer ce rapport de force, parce qu'elle n'a pas été façonnée pour ça. Mais le monde étant ainsi fait, en fait, si vous voulez lutter contre le changement climatique, par exemple, il va bien falloir des rapports de force avec les entreprises, les géants de l'extractivisme, qui sabotent la planète. Enfin, il faudra assumer un rapport de force à un moment. De la même manière, si vous voulez protéger la production européenne, il faudra assumer une forme de rapport de force avec la Chine. Enfin, je veux dire, des rapports de force, c'est constitutif de notre existence politique dans un monde qui n'est pas plat. Et donc, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et c'est, à mon avis, ce qu'on a planté à l'étape graine à ce mandat et qu'il faut faire grandir au prochain. Est-ce qu'on peut encore te arracher un peu? Oui, arracher un peu, ouais. Sur la monsieur qui avait posé une question? Non. Bon. David? Non, oui. Oui, bonjour Raphaël. Bonjour. Tu as parlé de deux versants pour une puissance écologique européenne. Tu as parlé du versant normatif et du versant industriel. Mais est-ce que penses-tu de l'idée justement de prendre ce versant normatif et de s'inspirer de la construction européenne, de la proposition de Schuman en 1950? La Commission européenne a commencé par une institution, la CECAS, qui d'ailleurs, l'Assemblée parlementaire de la CECAS, dont tu fais partie aujourd'hui, puisque les gens ont dit que le Parlement européen est en fait l'Assemblée parlementaire de la CECAS, qui est devenue parlementaire en 1962. Alors, que penses-tu de l'idée de mondialiser cette idée et de proposer que l'Europe propose à la communauté mondiale, justement, basée sur sa propre expérience, de dire, créons une communauté mondiale du carbone, en parallèle à la communauté européenne du charbon et de l'acier, pour gérer de manière technique la décarbonisation de l'économie mondiale, justement, et en faisant écho à ce que Schuman disait, que la gouvernance se fera par des réalisations concrètes, créant des systèmes de fait. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, la jeune dame. Si, je m'écoute. Si. Bonsoir. Donc, moi, ma question, elle est un peu plus simple. Ça va être plutôt dans la même idée que pourquoi se rendre aux élections. La mobilisation citoyenne, c'est important, surtout en tant que jeune, mais on peut être parfois découragé, notamment par exemple au moment de la réforme des retraites, plutôt cette année. Qu'on voit qu'on n'a pas vraiment de foi dans les décisions que peuvent prendre les gouvernements. Est-ce que vous, en tant que député européen, vous trouvez que la mobilisation citoyenne a vraiment un impact dans les décisions qui sont prises? La même question. Vous croyez que pour faire la transition énergétique, on a besoin de nucléaire, et comment est-ce qu'on va faire un consensus même les personnes qui appartiennent à un parti à l'Europe, mais qui ont des positions complètement différentes. Je reviens en jeune de là-bas, je reviens très vite. Moi, c'est plutôt une question par rapport à un pays comme
Je ne peux pas bouger. La Moldavie, ou l'Arménie, ou la Géorgie, et aussi les Balkans. Toute l'équipe de l'Union européenne devrait avoir par rapport à eux et à leur sens d'intégration. Merci, j'apporte. Oui, c'est beaucoup d'études. Et avant tout, tu dois faire une réponse. Une puissance économique, c'est un budget. Le budget de l'Europe par rapport au produit intérieur brut, c'est moins de 1%. Est-ce que la transition est compatible avec une pérennisation d'un tel budget? Et comment s'insère-t-il par rapport à un budget fédéral des États-Unis qui est de l'ordre de 25 à 30% suivant les années, dont une partie peut être consacrée? Et quelle est, dans ce contexte-là, la part pour la transition écologique des États-Unis dans le budget actuellement et celle de l'Europe? Et on vote cette semaine le budget 2024. Voilà beaucoup de questions. Il y a encore le chef de la... Les femmes. Enfin, la parole, il y a peut-être de répondre. Oui, c'est par rapport à la question de puissance, que nous avons rencontré sur toi. Est-ce que le but, c'est d'utiliser l'écologie pour faire une puissance, parce que c'est vraiment utiliser l'écologie pour la perte d'écologie? Je comprends que vous soyez dérangé par la question de la puissance. Et moi, j'ai mis du temps à formuler cette phrase. Et en fait, pourquoi je suis venu à cette idée de la puissance? Parce que il y a une forme de paradoxe ultime à dire on est face à l'un des plus grands ou le plus grand défi que l'humanité ait connu avec la question des effondrements climatiques. Et ne pas poser la question de la puissance, parce que si on est face à un défi immense, s'il y a des forces immenses qui contribuent à cet moment, il va bien falloir qu'on construise une grande puissance pour y faire face. Et donc l'écologie, c'est pas simplement l'outil, c'est l'horizon, c'est aussi la finalité. Ce que je veux dire, c'est que c'est les deux en même temps. Et il ne s'agit pas de dire, c'est pour simplement... pour empêcher la fin du monde qu'on doit faire cette transition, c'est montrer en quoi cette transition nous apporte un accroissement de vie, de liberté, et pas simplement de restriction. Et je pense que de mêler les deux, puissance et écologie, ça permet de comprendre à quel point l'écologie n'est pas à vivre comme une limitation permanente ou une hostilité avérée à votre liberté, à votre bien-être, à votre capacité à décider de votre avenir. Et sur la question de la puissance, je crois qu'en fait, tout le monde se définit, le monde entier est parsemé de puissance, et que l'Union européenne est un local à son entité politique qui n'a jamais réfléchi en termes de puissance. Et que le résultat de ça, c'est qu'on s'est fait marcher dessus par... des grandes puissances, et qu'il est venu le temps où on doit pouvoir affirmer la défense de nos principes et de nos intérêts à long terme, qui sont souvent concomitants. Est-ce que c'est néocoloniste? Je pense absolument pas, parce que cette puissance, déjà, c'est l'affirmation d'une capacité défensive. D'une capacité défensive n'est pas l'exportation de notre modèle à l'autre bout de la planète avec des avions et des tanks. Et donc je crois qu'en fait, oui, il y a une politique de co-développement qui est à construire, qui est à co-construire, dans le cadre de la transition, mais que la politique qui est la nôtre, c'est d'abord une politique en fait, d'utilisation de notre marché, parce que c'est ça la réalité au début de la puissance, pour pouvoir ériger des principes à l'entrée à notre marché. C'est comme ça qu'on va commencer. Et ça... ça ne va pas toucher les pays les moins développés, ça va toucher les grandes puissances qui sont des grandes puissances particulièrement polluantes. L'impact direct sera sur les États-Unis et la Chine, beaucoup plus que sur tous les pays en voie de développement.
Ok, mais là, je vais répondre extrêmement brièvement, je suis désolé. Le budget, à budget constant, évidemment, pas du tout. Donc, il va falloir augmenter les ressources propres. Il va falloir enfin réaliser ce qui relève du fantasme. C'est la taxe sur les transactions financières. Enfin, il y a plein de... Elle est votée comme il faut. Non, mais il faut être précis que... On ne peut pas dire, ouais, l'Europe ne fait pas la taxe sur les transactions financières et par ailleurs, je ne vote pas aux élections européennes. C'est en fait, il y a une contradiction. Hein. Ou alors, il ne faut pas vouloir une taxe sur les transactions financières. Ça peut aussi être un choix de dire, je m'en fous, c'est pas mon sujet. Mais il va falloir augmenter le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le rendre vraiment cohérent et massif. Et il va falloir donc développer des ressources propres de l'Union. Mais après, je ne suis pas fou, donc je pense que la transition, elle va être financée à l'échelle européenne par tout ce qu'on peut ajouter au budget européen, mais aussi par les États. Et que les deux, en même temps, vont devoir œuvrer de concert pour faire en sorte que cette transition soit financée. Et le problème, c'est que les sommes qui sont investies pour l'instant sont ridiculement petites, que la réponse européenne à l'IRA américaine est faible, on va dire, pour être calme, et que on n'a pas les budgets, mais à budget constant, on n'arrivera à rien. Et c'est la même chose quand on reproche à l'Europe de ne pas être assez sociale. Et, pour être sociale, il faut aussi avoir des capacités de redistribution. Je rappelle que le Parlement européen, alors que dans la tradition, les parlements sont nés, physiquement nés, et philosophiquement né avec la question de l'impôt, la capacité à lever l'impôt et à gérer la manière dont on dépense l'impôt, le Parlement européen ne peut pas le faire. La décarbonation, comme CK cosmopolitique. Communauté mondiale du carbone. Ouais, ouais. Non mais, donc, CK cosmopolitique, oui, il a dit. Alors, moi, Alors, je pense que c'est une excellente perspective, vraiment. Après, je crois qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est extrêmement difficilement réalisable. Que la base pour réaliser ça, ce serait les COP, qui sont des instances de discussion, mais on voit bien que les COP, de plus en plus, ont du mal à produire des résultats tangibles. Et que donc, c'est pour ça que je dis que ça va être compliqué, mais on devrait impulser. Après, je pense que le principal enjeu là, pour nous, c'est de définir d'abord une politique européenne, une communauté de destin en Europe qui promeuve une politique réellement de transition. Transition énergétique avec le nucléaire. Alors, en fait, la chance qu'on a en Europe, c'est justement qu'on n'est pas d'accord. Et que ça va être une chance, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, un mix énergétique, si on arrive à créer réellement une communauté européenne énergétique, et donc la capacité à avoir une répartition facile de l'électricité, le fait que notre mix énergétique soit très différent est une opportunité. C'est-à-dire que... Non mais parce qu'on n'arrivera pas à se mettre tous d'accord sur la question du nucléaire. Mais en soi, c'est pas grave. Je veux dire, en soi, c'est pas grave. C'est-à-dire que le fait que ce qui est grave, c'est d'utiliser du charbon. Moi, je trouve ça grave. Mais par contre, mais par contre, le fait que nous n'utilisions pas tous du nucléaire n'est pas grave. Parce qu'en fait, il faut qu'on ait tout dans notre mix énergétique, toutes les énergies décarbonées. Je ne dis pas énergie propre parce que le nucléaire n'est pas une énergie propre. Par contre, c'est une énergie décarbonée. Et je crois qu'il est complètement illusoire, par contre, en France, là je parle de la France, illusoire en France de vouloir faire de la sortie du nucléaire un objectif. Alors même que le nucléaire... Alors que l'Allemagne l'a fait, mais, oui, mais quel avec prix. Double prix. Avec le charbon. Double prix. Incroyable. Il y a un prix que l'Allemagne a accepté. Un, le prix d'être
le cheval de Troie pendant longtemps des intérêts russes en Europe, parce que la dépendance totale vis-à-vis du gaz, et deux, le prix d'utiliser aujourd'hui du charbon, et donc d'avoir le mix énergétique le plus polluant. Donc, bien sûr que leur surinvestissement dans les énergies renouvelables, par contre, leur sera absolument profitable pour la suite. Et qu'en France, à contrario, moi je pense qu'on a eu raison de conserver une part de nucléaire, j'en suis convaincu. Par contre, je pense que ce rapport quasi religieux nucléaire qu'on a dans les services de l'État a fait qu'on a sous-investi dans les énergies renouvelables et que du coup, on se retrouve à la traîne sur les énergies renouvelables en France par rapport à tous nos voisins européens et que c'est un choix qui est non seulement dommageable, mais en plus économiquement stupide. Et que donc, c'est pas, enfin, quand je défends une part de nucléaire dans le mix énergétique, je suis pas en train de défendre la politique française dans son ensemble. Parce que je pense qu'au contraire, on a raté le train là, des renouvelables et qu'on aurait pu en faire beaucoup plus. Et qu'on va devoir en faire beaucoup plus. Il ne faut pas être trop protectionniste, parce que je pense que Mme Gaspard, elle parlait aussi, c'est le fait qu'on n'arrive plus des pays comme le Portugal, qui produisent beaucoup d'énergie verte et propre, à exporter, parce que la France, comme elle a le nucléaire, elle n'accepte pas ça. Et ça, c'est la question, je pense, entre le Portugal et l'Espagne, avec le potentiel avec la France. Voilà, mais il y avait aussi une question de transfert, enfin de passage. Oui, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas un problème, à condition qu'on ait une circulation de l'électricité qui soit très fluide à l'échelle du continent européen. Oui, mais c'est aussi vrai que la production de nucléaire, elle a besoin de ce carbone. Parce qu'on ne peut pas. Mais dans ce cas-là. Alors, on va reprendre, parce que dans ce cas-là. Dans ce cas-là, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques ont aussi besoin de carbone dans leur production. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en fait. C'est pas grave qu'on n'ait pas tous le même mix énergétique, à condition qu'on ait une fluidité à l'échelle européenne. C'est pas grave. Pour ça, il faut avoir une vision de l'Europe comme un tout. Oui, bah, c'est celle que j'essaye de développer. C'est facile de dire que le Portugal et l'Espagne. Pour aller en Allemagne. Et en Allemagne, donc par la France. En Paris, c'est en Allemagne. Oui, mais ça, je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que j'étais pour. Voilà. Non, mais moi j'essaie justement de développer une vision de l'Europe comme un tout. Et je pense que d'ailleurs, un des grands problèmes français, ça a été de voir l'Europe simplement dans le prisme de Napoléon. C'est-à-dire, peut-être, c'est sûr que si vous voyez l'Europe simplement comme une grande France et que vous essayez. Enfin, là, vous pouvez être très pro-européen, mais vos voisins, ils vous regardent quand même en disant. Ouais, il y avait des trucs bien chez Napoléon, mais je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a une code civile, bon, déjà, ouais, mais bon, c'est pas forcément un souvenir qui unifie l'ensemble de l'Europe, même si ça vient de le pays, oui. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que peut-être réfléchir en européen, ça veut dire justement se poser ce type de questions et y penser en européen, en tant qu'européen, en essayant de définir un intérêt général européen. La question de la Moldavie et des autres pays. Moi, quand je parle de traité, j'ai cité l'Ukraine et pas les autres pays candidats pour une raison simple, c'est que c'est le gros morceau et c'est l'enjeu le plus symbolique. Mais en réalité, il faut que le traité d'élargissement il se passe pour des pays qui sont prêts et qui sont candidats. Et 2030, c'est prêt et trop tard. Là, moi j'espère 2030, mais c'est ça va supposer d'aller vite. Mais c'est faire un grand traité de réunification du continent européen en 2030, c'est un objectif majeur pour l'Union européenne et c'est ambitieux, mais c'est ce qu'il faut être ambitieux. La condition, bien sûr, de base, c'est un, il y a tout l'acquis communautaire, mais c'est la première condition, c'est l'état de droit. C'est pour ça que là-dessus j'avais une divergence avec la Commission sur l'opportunité. Sur la Géorgie, à la fois il faut le donner parce que c'est une perspective historique, il y a un moment historique. De l'autre côté, c'est clairement pas avec ce gouvernement-là qu'ils vont rentrer dans l'Union européenne. Donc voilà. Bon.
Il faut dire que récemment, la Commission a donné à la Géorgie le statut de pays candidat. Ouais, la Commission qui précise quelques points, le FEDEC, la deuxième précondition absolue, c'est d'épouser notre vision du monde et notre relation aussi, par exemple, à la Russie de Poutine. Or, dans les pays candidats, il y a des problèmes. Je veux dire, aujourd'hui, la Serbie n'est pas en train de courir. Dans les pays membres aussi. Et dans les pays membres aussi. Alors, le problème, c'est que les pays membres, ils sont déjà membres. Mais donc, la moindre des choses, c'est d'attendre de ceux qui sont candidats de respecter cela. Et par ailleurs, pour les pays membres qui ne le respectent pas, il y a quand même la conditionnalité qui a été actée sur les fonds européens. Et ça, c'est un instrument qui est assez puissant. Et si jamais cet instrument ne fonctionne pas, à un moment, enfin, moi, je suis pour qu'on laisse les gens libres de leur choix. Et réélire en permanence Orban, à la fin, ça doit avoir une conséquence. Voilà. C'est-à-dire qu'on a là un cheval de Troie au sein même de notre construction. Et je vais terminer avec cette question, désolé d'avoir été plus vite pour les dernières que pour les premières questions. Pourquoi se rendre aux élections? Toujours la même question. Et est-ce que les mobilisations citoyennes fonctionnent? Moi, j'ai vu pendant ce mandat à quel point les mobilisations citoyennes fonctionnent. C'est-à-dire que je n'aurais pas du tout fait le mandat que j'ai fait avec des frustrations mais aussi des résultats s'il n'y avait pas eu cette mobilisation civique. Et j'ai vu comment des positions peuvent changer en fonction du niveau d'investissement du public dans le débat que nous avons au Parlement. Et donc ces mobilisations, elles fonctionnent. Et d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de jeunes à travers la France qui m'ont dit, bien, c'est la première fois que j'ai senti que j'avais du pouvoir. Par exemple, quand on a interpellé les multinationales sur leur chaîne de valeur et sur l'esclavage des Ouïghours dans leur chaîne de production. Et au début, enfin, nous, on a pris la liste et on a commencé à Adidas. On n'avait pas de... Enfin, j'avais pas un cousin qui travaillait dans l'une de ses boîtes, je sais pas quoi, donc c'est pas du favoritisme, on a fait l'ordre alphabétique. Et quand on a vu, en fait, le niveau de mobilisation et la panique, surtout quand on avait les rendez-vous des gens qui nous effacent, on a compris, en fait, à quel point ces jeunes avaient du pouvoir. Et en fait, progressivement, parce que chacun avait un rôle dans cette interpellation et que c'était la condition de possibilité pour que ça fonctionne, c'était que chacun s'investisse, eh bien, chacun pouvait faire l'apprentissage de son propre pouvoir. Et je pense que ce qui tue nos démocraties, c'est le sentiment d'impuissance qui s'est diffusé dans nos cités. Et qu'un citoyen ne peut pas être impuissant. Un citoyen, il est défini par justement le fait d'exercer un pouvoir. Et il se rend compte de son pouvoir en l'exerçant. Et ce que la politique n'a pas suffisamment fait, ce que les partis politiques n'ont pas réussi à faire, c'est à faire vivre ce pouvoir des citoyens. Et tout mon engagement, il repose sur cette idée-là, c'est l'idée démocratique. Et sur cette idée que, en fait, la démocratie, c'est ce qui permet à chacune et à chacun d'exercer une part du pouvoir commun. Et je crois qu'on a cessé de le faire. À la fois parce que nos institutions ne le permettent pas assez, parce que les partis politiques n'ont pas rempli leur rôle, mais aussi parce que chacun, chacune d'entre nous, on a partiellement renoncé à cette vocation citoyenne. Et que finalement, l'individu en nous est devenu de plus en plus important au détriment du citoyen. Vous savez, quand les révolutionnaires français ont fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils ne sont pas répétés. Ce n'était pas une erreur de français. C'était parce qu'ils savaient pertinemment que l'homme et le citoyen, l'homme au sens général, l'être humain et le citoyen, eh bien, ce n'est pas la même chose. L'individu et le citoyen, ce n'est pas la même chose. En nous, il y a une part individuelle qui veut son confort, qui veut accéder à ses désirs, à réaliser ses rêves. Et on a une part citoyenne qui oblige notre part individuelle. Et le citoyen, c'est celui qui arrive à adopter un point de vue sur le monde qui se fonde aussi sur l'intérêt général et qui part du tout pour arriver à la partie. Et on a cessé de réfléchir comme ça de plus en plus. Et donc, retrouver la part citoyenne de nous-mêmes, c'est retrouver le fait qu'en fait, on a du pouvoir sur le destin commun. Et ça, je pense qu'en fait, redonner
ce goût et ce sentiment de pouvoir, c'est la meilleure réponse aux populistes, bien mieux que les invectives morales. Merci beaucoup. De tenir le téléphone, non, le bas, parce que voilà. Merci. C'est parce qu'il faut que je prenne quelque chose à faire mon bas, c'est pour ça. Je voulais remercier Pauline qui est là-bas en dernière siège, je voulais applaudir parce que c'est notre stagiaire. Bravo Pauline. Organiser cette conférence et les autres que nous aurons une conférence jeudi. Sur les tremblements de terre. Vendredi. Vendredi. Sur les tremblements de terre, qu'est-ce qu'on fait pour un cas de tremblement de terre avec des médecins de la société de protection civile, aussi des spécialistes sur les tremblements de terre. Et puis nous avons aussi le 27, une grande conférence sur la culture et l'Europe. Il paraît que Jean-Monnet aurait dit. Si aujourd'hui on peut commencer l'Europe, ce sera par la culture. On dit qu'il n'y aura jamais dit que ce ne serait pas une mauvaise idée non plus. Voilà, donc vous avez tous rendez-vous avec lui. Les étudiants qui ont une fiche à faire signer, ils descendent là, je la leur signe. Et les étudiants en doctorat qui ont master aussi. Un master aussi, qui ont des fiches de présence, on les signe. Aussi, merci beaucoup à tout le monde, aux membres. Vous avez des fiches à partir sur les membres, ceux qui ne sont pas. Et allez voter. Merci à vous. Merci. Ouais. Mais elle avait dit après, mais tu sais, avec Fernanda, on est toujours très... Il y a peut-être des bêtises.